arrivera. Êtes-vous prêts? Où êtes-vous? Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta gloire. Merci pour ta majesté. Merci pour ton amour, pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais cette nuit. Merci pour tout le monde présent. Je te remercie pour ceux qui se joignent à nous. Nous te remercions pour tout parce que cette nuit, tu vas changer la vie. Les meurtrissures merveilleuses de Christ agiront pour tous. Et tout ce qu'il a fait pour nous à la croix du calvaire, qu'il y ait une manifestation dans toute vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ôte l'angoisse, ôte la tristesse, brise toujours, détruis les œuvres du diable. Que toute malédiction soit ôtée et mets la joie dans toute vie, la joie dans toute famille, la joie dans leurs affaires, la joie dans tout ce qu'ils font. Que cette nuit soit une nuit remarquable pour tous. Confirme-le dans toute vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, une révélation pour cette nuit. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que vous-même, c'est par ses meurtrissures que votre famille maintenant, c'est par ses meurtrissures que ma famille est guérie. Vos enfants maintenant, c'est par ses meurtrissures que mes enfants sont guéris. Et toute l'assemblée maintenant du peuple de Dieu, c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Cette nuit, nous allons voir l'efficacité des maîtrises de guérison de Jésus-Christ. L'efficacité, la puissance. La puissance des maîtrises guérissantes de Jésus. Ou des maîtrises de guérison de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Soulignez cela, Christ aussi a souffert pour nous. A-t-il été méprisé? Christ aussi. Est-ce qu'on a crié sur lui? Christ aussi a souffert pour nous. Est-ce qu'on a mis une couronne d'épines sur lui? Christ aussi a souffert pour nous. Est-ce qu'on s'est moqué de lui? Christ aussi a souffert pour nous. Est-ce qu'il y a des meurtrissures sur lui? Christ aussi a souffert pour nous. Christ a souffert pour nous. A-t-il été crucifié? Christ aussi a souffert pour nous. Est-ce qu'il a pleuré? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ aussi a souffert pour nous. Est-ce qu'il a rendu l'âme lorsqu'il a dit « Tout est accompli » Christ aussi a souffert pour nous. Est-ce qu'on l'a fait descendre de la croix? Est-ce qu'il a été enseveli? Oui, Christ aussi a souffert pour nous. En nous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude.
Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtres issus duquel, lui, par les meurtres issus duquel, vous avez été guéri dans le passé, là-bas, à la croix du calvaire, là-bas, sur le bois de pleurs, toute maladie qui sera venue sur vous était déjà prise pour être guérie. Cette nuit, c'est la nuit de manifestation. Cette nuit, c'est la nuit de démonstration. Cette nuit, c'est la nuit d'accomplissement. Vous êtes guéri. De qui parle-je? Je dis, vous êtes guéri. De qui je parle ici? Ce bulletin médical dans votre main, je vous déclare guéri. Tout ce que Christ a, tout ce dont Christ a souffert, c'est pour notre avantage. Tout ce que Christ a souffert, c'est pour notre profit. Tout ce dont Christ a souffert, c'est pour nous. Il a souffert pour nos offenses. Il a souffert pour nos péchés. Christ a souffert pour notre salut. Il a souffert pour notre justification. Il a souffert pour notre rédemption. Il a souffert pour notre délivrance. Il a souffert pour notre réconciliation. Il a souffert pour notre justice. Il a souffert pour notre sanctification. Il a souffert pour notre libération. Libération, il a souffert pour notre guérison. Il a souffert pour notre plénitude de bénédiction. Il a souffert pour notre acceptation au ciel. Tout ce dont vous aurez besoin d'ici jusqu'à l'éternité, tout ce dont vous aurez besoin de ce moment où vous êtes venu à Christ jusqu'à ce que vous le voyez face à face, tout défi auquel vous serez confronté, Christ a résolu tous vos problèmes. Il connaissait toutes les croisées des chemins que vous arrivez. Il connaissait toutes les douleurs que vous arriveront. Il connaissait toutes les pestes qui vous arriveront. Il connaissait tous les problèmes qui frapperont à votre peau, à votre porte. Et là, sur le bois de pleurs, là à la croix, il pensait à vous. Il planifiait pour vous. Il souffrait pour vous. Il a tout porté pour vous. Et aujourd'hui, nous venons pour la révélation. Aujourd'hui, nous venons pour la manifestation. Et aujourd'hui, nous venons pour la participation. Parce que cela va se produire. Il n'y a pas de doute au ciel. Il n'y a pas de doute dans la pensée de Christ. Il n'y a pas de doute dans la pensée de tous les prophètes qui ont prophétisé de ce qui vous arrivera aujourd'hui. Il n'y a pas de doute en moi. Le seul lieu demeurant que je ne sais pas s'il y a un doute quelque part, c'est quelque part là-bas. Y a-t-il de doute là-bas? Je dis, y a-t-il de doute chez vous là-bas? Le ciel et la terre se sont accordés. Les hommes et les anges se sont accordés. Christ et les chrétiens s'accordent déjà. Nous qui sommes ici aujourd'hui, et lui, par le Dieu Tout-Puissant, il y a l'accord. Il n'y a pas de doute en aucun cœur, il n'y a pas de doute en vous. Il y aura la manifestation pour vous aujourd'hui. Retournons à Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, et nous voyons le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Notre paix était sur lui. Et Dieu merci, je dis Dieu merci. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Je dis Dieu merci. Y a-t-il une sœur là-bas, s'il vous plaît? Je dis Dieu merci. Y a-t-il un frère là-bas, s'il vous plaît? Je dis Dieu merci.
Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est accompli. C'est fait. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un là-bas l'a déjà reçu. L'efficacité des meurtrissures de guérison de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. La puissance efficace de ces meurtrissures de guérison. La puissance efficace de ces meurtrissures de guérison. Numéro 2. Les promesses durables des saintes écritures. Les promesses qui étaient données depuis le moment où elles étaient données, ces promesses demeurent, oui et amen. Ces promesses vont agir aujourd'hui et ces promesses seront accomplies aujourd'hui dans votre vie. Parce que ce sont des promesses durables, qui sont infinies, qui sont éternelles, efficaces, effectives, des promesses durables des saintes écritures. 3. Les possessions étendues des fils et des filles guéris. Après votre guérison, il y aura des miracles supplémentaires. Il y aura de multiples miracles. Il y aura la possession sur votre vie. Vous tournez vers ce côté, un miracle vous frappera là-bas. Vous tournez vers l'autre côté, vous rencontrez un miracle va exploser là-bas. Comme vous avancez, le miracle. Regarde, en arrière, vous aurez les miracles. Vous serez environné de la puissance miraculeuse de Dieu, même cette nuit, au nom de Jésus. Il y aura l'extension, l'étendue. Il y aura ici la possession étendue des fils et des filles guéris. Nous allons au premier point. C'est la puissance efficace de ces meurtrissures de guérison. Je vais encore à Ésaïe 53. Et je lis verset 3. Et verset 4. Cependant, criez cependant, il n'y a pas de doute au ciel, il n'y a pas de doute au trône de Dieu. Cependant, il n'y a pas de doute au sujet de la manifestation de la puissance de Dieu venant du calvaire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté. Ce n'est pas qu'il pense à ce qu'il faut faire. Okay. Vos souffrances sont ôtées. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de la douleur qui s'est chargée. De toute sa force, de tout le sacrifice, tout ce qu'il a fait au calvaire, il a porté toutes nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés. Je dis, il était blessé pour mes péchés. Et il était brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix tombait sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. C'est comme vous devez penser à tous les péchés que vous aviez commis. Et vous, depuis votre naissance, vous les rassemblez dans un grand sac. Vous les mettez debout avant de pouvoir penser à les porter. Jésus a dit que je suis ici, mets cela sur moi. Tous vos péchés, mettez-les sur moi. Toutes vos erreurs, remettez-les sur moi. Toutes vos offenses, remettez-les sur moi. Et c'est dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de faute de lui-même. Il n'avait pas commis aucun péché. Et il ne pouvait être condamné de rien. Christ était innocent. Christ était sans péché, sans tâche. Notre Seigneur était sans reproche. Jésus, il était irrépréhensible, irréprochable. Le Seigneur Jésus, il était saint, juste, il était bon. Il allait partout faisant du bien. Il était innocent, il était parfait. Tout ce dont il a souffert, c'est pour vous. Il a payé l'amende de vos péchés. Voyons, je lis de la première partie du verset
4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. Allons à 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique 4, verset 9. Il a porté nos souffrances. Et 1 Chronique 4, verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Quel que soit ce qui s'est mélangé avec votre nom dans du côté de négatif, dans les ténèbres avec Satan, la douleur est ôtée. Verset 10, Jabez invoqua le nom d'Israël en disant, si tu me bénis, il faut souligner cela, voici le numéro 1 de miracle pour vous. Et que tu étendes mes limites. Il faut souligner cela, il y a l'élargissement pour vous. Et si ta main est avec moi, toi, la main du Seigneur sera avec vous. Souligner cela. Et 4. Et si tu me préserves du malheur, tout malheur est ôté de votre vie. Voici ceci. En sorte que je ne sois pas dans la douleur. C'est ce que dans la souffrance, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jabez à l'époque, là, maintenant c'est vous. Maintenant c'est pour tout le monde. Cependant, il a porté nos souffrances. Tout ce qui vous fait souffrir, le Seigneur va l'enlever aujourd'hui. Et Dieu, et l'Éternel, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorde ce que tu demandes, c'est au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, ce sont les promesses durables des Saintes Écritures. Les promesses durables des Saintes Écritures. Nous retournons à notre Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que vous êtes guéris. Numéro 1, nous sommes guéris. Numéro 1, nous sommes guéris. Quelqu'un là-bas, il faut le personnaliser. Je suis guéri. Nous sommes guéris. Vous êtes guéris. On va à Matthieu chapitre 8, verset 16. Matthieu 8, 16. Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, comme cette nuit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par quoi? Par sa parole. Et il guérit combien d'entre eux? Est-ce que vous serez guéri cette nuit? Est-ce que vous aurez le miracle cette nuit? Est-ce que votre vie sera changée cette nuit? Et il guérit tous les malades. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et retournons à Esaïe 53. Esaïe 53. Voyons maintenant le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout le monde peut être sauvé. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quiconque acceptera cela, quiconque croira cela, quiconque va le regarder de son œil d'imagination, tous vos péchés, toutes vos fautes, toutes vos iniquités, tous vos fils et tout votre mal, combinés ensemble, le Dieu Tout-Puissant l'ôte de vous. Le Dieu Tout-Puissant l'ôte de vous. Et il a fait retomber sur l'iniquité, il a fait retomber tout sur Christ. Numéro 2, nous sommes sauvés. Je suis sauvé. Pourrez-vous entendre? Je suis sauvé.
1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, nous sommes sauvés, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, nous sommes sauvés, lui par les meurtres duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Est-ce que vous sentez ce pardon? Est-ce que vous sentez ce salut là-bas? Est-ce qu'il a ôté le lourd fardeau du péché de condamnation de vous? Dieu merci, tout est ôté. Retournons à Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il a résolu de porter cela pour vous. Il a résolu de doter cela pour vous. Vous êtes affranchi. Vous êtes libéré. Numéro 3, nous avons vaincu. J'ai vaincu. Où est la personne? J'ai vaincu. Il faut utiliser la voix de vainqueur. J'ai vaincu. C'est confirmé au ciel. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, pour nous, pour moi. Pour moi, vous ne pouvez pas être perdu. Pour moi, vous ne pouvez pas demeurer dans vos péchés. Pour moi, vous n'irez pas en enfer. Pour moi. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Retournons à Ésaïe 53, je lis verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, pour les péchés de mon peuple, pas pour lui-même, pour les péchés de mon peuple. Numéro 4. Je suis libéré. Vous êtes libéré, vous êtes relâché. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous tous. Il a été frappé, retranché, frappé pour les péchés de mon peuple. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, lui juste pour des injustes. Le parfait pour les imparfaits, le saint pour des non-saints, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il l'a fait pour vous, nous sommes libérés. Je suis libéré. Je suis libéré. La condamnation est ôtée. Le jugement futur n'est plus. La souffrance en enfer n'est plus. Alors retournons à Ésaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. C'est l'identification. Son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il nous a rendus justes.
Celui qui a souffert pour nous et n'a pas commis de péché, c'est pour vos péchés qu'il était mort. C'était pour vos péchés qu'il a souffert. Deuxième, Corinthiens 5. Deuxième, Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Il a porté le péché comme s'il était pécheur. C'est toi qui étais le pécheur, j'étais le pécheur. Jésus a pris notre place pour devenir le substitut. Celui qui n'a point connu de péché, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Voyons maintenant la fin et le fruit, le produit, le résultat de cela, afin que nous, que quelqu'un dise, afin que nous, afin que je devienne, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La raison pour laquelle il a souffert, c'est pourquoi il a ôté tous ses péchés. Nous sommes rendus justes. Je suis rendu juste. Retournons à Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dise Amen? Nous sommes affranchis. Je dis nous sommes affranchis. On va au Galates. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Faut plus vous plaindre de la malédiction, cela ne viendra plus. Ne soyez plus sous un joug, sous une malédiction, cela ne demeurera pas là-bas. Christ vous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a porté la malédiction pour vous. Il vous a affranchi. Je suis affranchi. Je dis, je suis affranchi. Je sais que je suis affranchi. Je confesse que je suis affranchi. Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste fera quoi? Justifiera beaucoup d'hommes. Justifiera beaucoup d'hommes. Vous êtes justifiés. Dieu vous regarde justifié comme si vous n'avez jamais péché dans votre vie. Dieu vous regarde justifié. On dit que tu es justifié. Tu es libéré. Tu peux aller libre. Il dit que par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Et il se chargera de leurs iniquités. Il s'est chargé de mes iniquités. Je vais au Romains chapitre 5, verset 9. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Romains 9, verset 5. Romains 5, verset 9. Romains 5, 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de jugement final. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu la réconciliation. J'ai obtenu la réconciliation.
Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous sommes délivrés. Je suis délivré. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je dis, je suis délivré, gloire à Dieu. Hébreux 2, verset 14. Quelqu'un là-bas est délivré cette nuit. Vous êtes délivré librement. Vous êtes délivré, vous êtes pleinement délivré. Vous êtes délivré en permanence. Vous êtes délivré en permanence. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il fasse quoi? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il anéantit de votre vie. Il anéantit de votre famille. Il anéantit de votre âme. Il anéantit de vos affaires. Il anéantit de votre voie comme vous avancez. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La servitude est ôtée. Délivré, vous êtes délivré. Délivré, je suis délivré. Délivré, je suis délivré. Où est la personne? Où est-elle? Vous êtes délivré? Vous y croyez? Vous savez cela? Vous êtes affranchi cette nuit. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, 13. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres? L'occultisme ne vous touchera plus. Les principautés, les dominations, les autorités ne vous toucheront plus. L'esprit de sirène ne vous dérangera plus. Ces esprits des ténèbres ne vous dérangeront plus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Je crois que je dois mettre mon nom là-bas. Et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Y a-t-il une personne affranchie cette nuit? Y a-t-il une personne libérée cette nuit? Y a-t-il une personne délivrée cette nuit? C'est confirmé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, troisième point maintenant. Les possessions étendues des fils et des filles guéris. Les possessions étendues. Toutes les fois qu'on vient et qu'on parle de ces maîtressus, que ce n'est pas ces maîtressus que je suis guéri, donc, on croit que la guérison vient dans l'isolement. Je suis guéri, je suis guéri. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a l'expansion. Aidez-moi à parler de l'expansion. Parlez-moi à parler de l'extension. Il y a l'expansion là, l'extension pour vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Genèse, chapitre 20. Il y a la guérison, mais il y a plus que cela. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes. Voilà maintenant l'extension. Et elle purent enfanter. Genèse 20, 17. Et elle purent enfanter. Pas seulement la guérison, mais et elle purent enfanter. Des enfants miracles. Je dis des enfants miracles. Vous l'avez reçu au nom de Jésus-Christ. Exode,
chapitre 23, la guérison plus la guérison et l'ajout, la guérison et d'autres choses. Genèse 23, Exode 23, 20. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous n'allez pas rater votre destination. N'allez pas rater la provision divine. N'allez pas faire l'erreur pour prendre le mauvais chemin. Vous aurez tout ce que le Seigneur a ordonné pour vous au nom de Jésus-Christ. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, de votre cerveau, la maladie sera ôtée. De votre foie, la maladie ôtée. De vos intestins, la maladie ôtée. De vos poumons, la maladie ôtée. De vos os, la maladie a ôté. Des quatre coins de votre mur, des murs de votre maison, la maladie a ôté. 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Écoutez ceci. Je remplirai le nombre de tes jours. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que vous n'allez pas mourir prématurément? Est-ce que vous savez que vous aurez une longue vie? 2 Rois 20, verset 5. Rappelez-vous, la guérison plus autre chose. La guérison plus un ajout. 2 Rois, chapitre 20, et je lis verset 5. Retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Cette nuit, vos prières sont exaucées. J'ai vu tes larmes. Voici. Il faut le dire. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Maintenant, la guérison, Dieu merci pour la guérison, il y a l'addition. Il y a quelque chose de plus. Il faut dire quelque chose de plus. J'ajouterai à tes jours, combien, dites-le-moi, 15 années. La longévité ici. Je dis la longévité ici. J'ajouterai. Où est la personne? J'ajouterai. Où est-elle là-bas? J'ajouterai à tes jours. Il y aura plusieurs années à vos jours au nom de Jésus-Christ. Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La guérison est là, le pardon est là. Voyez, la culpabilité sera ôtée, la condamnation ôtée. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. La maladie, l'accident ne sera plus à vous. Le désastre devant vous est ôté. La mort prématurée est supprimée. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Vous allez raconter la miséricorde partout où vous irez. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il y aura le rajeunissement dans votre vie au nom de Jésus.
Psaume 107, verset 20. La guérison plus autre chose. Il y a l'extension à la guérison. Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole et les guérit. Voilà l'addition. Il les fit échapper de la fosse. Est-ce que vous avez reçu l'addition là? Psaume 147, verset 3. Il y a l'addition ici. Psaume 143. Nous lisons le verset 3. Et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il va penser vos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Amen. Proverbe 4, 22. Rappelez-vous, la guérison avec extension, avec expansion. Proverbe 4, verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour tous leur corps. Toute partie de votre corps. Une petite douleur, si je peux la tolérer. Vous n'allez pas tolérer aucune douleur si je peux la bricoler. Vous n'allez pas bricoler une douleur ici. Je peux vivre avec cela, c'est pas assez. Non, vous ne pouvez pas vivre avec la douleur. Tout votre corps, tout votre organisme va expérimenter la puissance de miracle du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 57, verset 18. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Vous n'allez pas échapper à la guérison. Je lui servirai de guide. C'est l'addition ça. Et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche de l'Éternel. Je les guérirai. Chapitre 58 et verset 8. Chapitre 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Une nouvelle aube pour vous. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Aujourd'hui, la réponse est venue. Toutes les prières que vous faites durant des années, les réponses sont venues cette nuit. Toute attente des années écoulées est venue cette nuit. Les désirs des années passées sont venus cette nuit. La prière pour vous-même a reçu la réponse. La prière pour votre famille est exaucée. La prière pour un ami est exaucée. La prière pour quelqu'un qui vous brise le cœur est répondue cette nuit au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Vous aurez l'embonpoint. Spirituellement, vous serez gros. Financièrement, vous serez cossu. Et dans vos affaires, vous allez prospérer. Il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches.
celui qui retourne les chemins qui rend le pays habitable. Le progrès est venu. Il dit, votre progrès est venu. Jérémie chapitre 30. Jérémie 30, verset 17. Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repousser, cette Zion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux. Cela parle de cette assemblée. Du milieu d'eux. Il parle de vous. Je dis, il parle de votre famille. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Jérémie 33. Jérémie 33, verset 6. La guérison plus. La guérison avec. La guérison et il y a l'extension. Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquels ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité, que je leur accorderai. C'est déjà arrivé. C'est déjà accompli. Allons à Malachie, la fin de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Y a-t-il un amen là-bas? Troisième Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quelqu'un là-bas cette nuit prospère. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La maladie ôtée, l'infirmité ôtée, l'impuissance ôtée, l'infécondité ôtée, toutes les douleurs et tous les fléaux sont ôtés. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, c'est votre tour. C'est mon temps. Je dis, c'est mon temps. Ésaïe 65,
Ésaïe 65, verset 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant que tu invoques, il répondra. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. C'est cette nuit. Frère, je dis c'est cette nuit. Sœur, je dis c'est cette nuit. Avant qu'il ait cessé de parler, la réponse vient. Les cieux sont ouverts, les portes sont ouvertes, les écluses sont ouvertes. Des pluies de miracles, des pluies de miracles, des averses de bénédiction. Où est-ce que cela viendra? 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 Pourquoi ne pas le dire au Seigneur? Cette nuit, c'est la nuit là. Cette nuit, c'est la nuit là. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. C'est cette nuit. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur cette nuit. Il a porté vos souffrances. Il a porté vos souffrances. Il a porté vos douleurs. Il a été frappé à cause de vous. Il a été affligé à cause de vous. Et toute l'affliction que vous portez, toute l'affliction que vous avez, tout est ôté cette nuit. Parlez au Seigneur. Cette nuit, vous êtes affranchi. Cette nuit, vous êtes affranchi. Cette nuit, vous êtes affranchi. Parce que Christ a tout porté pour vous. Il a été frappé pour vous. Il était châtié pour vous. Il a été châtié pour vous. Il a été fouetté pour vous. Acceptez cela cette nuit, c'est une réalité. Croyez cela cette nuit, c'est une réalité. Cependant, il a certes, certainement, il a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Il a été frappé. Il a été affligé pour nous. Vos iniquités, votre infirmité, votre condamnation, votre culpabilité, vos châtiments, le Père a tout mis sur Christ. Acceptez cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis affranchi. Il ôte vos péchés, il ôte votre culpabilité, il ôte votre condamnation et tout est mis sur Christ. Il a ôté votre faiblesse. Votre faiblesse, tout est mis sur Christ. Et maintenant il dit, vous êtes pardonné, allez ne péchez plus. Vous êtes guéri, allez ne péchez plus. Vous êtes délivré, allez ne péchez plus. Il a tout porté pour vous. Il a pris tout à votre place. Comme votre substitut affranchi du péché, affranchi des maladies, affranchi de la souffrance, affranchi de l'angoisse, affranchi de Satan, des serpents. Les serpents ne vont plus marcher sur vous. Christ a tout porté pour vous. Il vous a affranchi. Il vous a affranchi. La culpabilité est ôtée. La condamnation est ôtée. Remerciez-le. Louez-le. Réjouissez-vous pour le pardon. Pour le salut. Pour la délivrance. Pour la libération. Vous avez la liberté totale. Recevez tout cela cette nuit. Vous savez, vous êtes guéri. Croyez cela cette nuit. Vous êtes sauvé.
Acceptez cela cette nuit et vous vaincrez. Confessez-le cette nuit et vous êtes libérés. Lui qui n'a pas péché est rendu pécheur à votre place. C'était un échange. Il a pris vos péchés et vous êtes devenu justice de Dieu en lui. Vous êtes rendu juste. Vous êtes affranchi. Vous êtes transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Les dominations et les autorités n'ont plus l'emprise sur votre vie. Les démons n'ont plus l'emprise sur votre vie. Les pouvoirs sataniques et les opérations n'ont plus de pouvoir sur vous. Les esprits qui oppriment dans le rêve, dans la nuit, n'ont plus le pouvoir sur vous. La malédiction, le joug ne feront plus partie de votre vie. Vous en êtes affranchi. Vous êtes justifié. Vous êtes délivré. Vous êtes délivré de la mort, de la main de celui qui détient la puissance de la mort. Christ vous a franchi. Il vous donne la guérison. Plus des enfants miracles. Il vous donne la guérison, plus la protection. Il vous donne la guérison, plus la longévité. Il vous donne la guérison, plus la force. Il vous donne la guérison, plus la délivrance. Il vous donne la guérison, plus la santé. Il vous donne la guérison, plus la paix, la prospérité et le pouvoir. Il vous donne la guérison, plus le progrès. Il vous donne la guérison, plus le rajeunissement, plus le réveil, plus la justice, plus la résurrection spirituelle, plus la restauration. Il vous donne la guérison, plus la percée. La puissance triomphante, la force victorieuse, la guérison, plus l'extension, la guérison, plus l'expansion. Croyez et louez le Seigneur. L'angoisse est ôtée, la joie est venue. La douleur est ôtée, la gaieté, l'allégresse est venue. Vous êtes affranchi. Vous êtes réellement affranchi. Affranchi dans votre âme. Affranchi dans votre esprit. Affranchi dans votre corps. Libéré de toute oppression. Vous êtes affranchi. Absolument affranchi. Il n'y a pas de doute au ciel que vous soyez affranchi. Il n'y a pas de doute avec Christ que vous soyez affranchi. Il n'y a pas de doute dans le cœur de Dieu le Père que vous êtes affranchi. Il n'y a pas de doute dans les prophètes de la Bible que vous soyez affranchis. Il n'y a pas de doute dans mon cœur ici que vous soyez affranchis. Il n'y a pas de doute en vous. Il n'y a pas de doute dans votre cœur que vous soyez affranchis.
Au nom de Jésus, nous prions. Ceux qui sont guéris, je dis, au nom de Jésus, nous prions. Ceux qui savent que tout problème amené ici à la maison, amené ici cette nuit, ne peut plus être ramené à la maison, qui disent Amen. Regardez la personne à côté de vous pour lui dire, j'ai un témoignage. Cette nuit, j'ai un témoignage. Il faut dire à la personne à côté de vous, il y a la joie dans mon cœur. Il y a l'assurance dans mon âme. Je rentre à la maison cette nuit différente. Maintenant, levez les mains là. Cela vient. Je dis, cela vient. Oui, ça vient pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour toute âme, pour tout membre, pour tout invité ici cette nuit. Je te remercie, Seigneur. Les cieux sont déjà ouverts. Seigneur, je te remercie parce que l'accomplissement des meurtrissures sur Christ se produit cette nuit. Frère, vous êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. Sœur, vous êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans votre corps, toute infirmité dans votre corps, toute douleur dans votre corps, je commande que tout cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus est mort pour payer tout le prix. C'est ce qu'il a fait. Il a tout ôté. Vos souffrances sont ôtées. Vos douleurs sont ôtées. Vos peines sont ôtées. Vos maladies sont ôtées. Votre infécondité est ôtée. Votre stérilité a été ôtée. Votre pauvreté a été ôtée. Votre honte a été ôtée. Vos larmes sont ôtées. Vos jours sont ôtés. La malédiction ôtée. Soyez réellement affranchis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche à tout le monde. Transforme tout le monde. Qu'il y ait des miracles pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. Mais le témoignage dans toute bouche. La joie dans toute bouche. Le sourire à tout visage. Le miracle. Le miracle. Le miracle. La délivrance. L'affranchissement, la libération, la prospérité pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, confirme-le dans toute vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus.